Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour tester ce jeu. Vous allez comprendre pourquoi je rigole. On va directement tester Sword Art Online Variant Showdown. Ah là là, ah là là, ça commence très très mal. Ça commence très très mal. Alors, tout d'abord, on va voir un peu ce que ça va donner. J'ai mal, hein. J'ai vraiment mal. Je vous assure que je vais les fusiller, Bandai. Hein. Je vais réellement les fusiller. C'est scandaleux qu'en 2022, ils continuent de sortir ce type de jeu. Bon, vous allez comprendre par vous-même. Je vais pas vous spoil. Je suis sur mon téléphone, c'est pour ça que j'ai pas le format exact sur. L'écran. Ok. Ok, c'est parti. Espérons que j'ai exactement les mêmes problèmes que j'ai eu en off. Ok, c'est bon. Les problèmes sont présents. C'est excellent. Voilà, merci. Hein? Ça commence mal. Allez. Bien vu, hein. Bien vu les bugs, hein. Exactement les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes qu'à la bêta. Le jeu, ils l'ont sorti 6 mois plus tard. Ils l'ont retardé de 2 semaines pour que le jeu arrive à avoir exactement les mêmes problèmes. Exactement les mêmes problèmes qu'à la bêta. C'est incroyable. Bandai dans toute sa splendeur. Sans parler, bien sûr, sans parler du fait qu'ils ont bloqué les émulateurs et du coup, je suis obligé de tester sur mon téléphone. Bien sûr, on passe l'intro parce que c'est copyright. C'est honteux. Bandai, dans toute sa splendeur, tous leurs jeux depuis 2 ans, 3 ans. Et, enfin, depuis même 4 ans, même depuis la sortie de DBL. Il y a même depuis One Piece Bounty Rush, je n'ai jamais vu autant de bugs. Je n'ai jamais vu autant de bugs. On va partir invoquer parce que c'est le seul point positif du jeu où les animations des invocations ne sont pas buggées. Incroyable. Et on va avoir. Bien sûr, on va avoir des gens qui vont dire que le jeu est incroyable. Avec autant de bugs. Les seuls points positifs du jeu. Bon, il y a ça déjà. Il y a les invocations. Et derrière, on a quoi? Ben, on a rien d'autre en fait. Non, c'est trop. Ils abusent. Bloquer les émulateurs? Alors que sur la bêta, on pouvait y jouer? Et voilà, déchirement de l'écran, bug, freeze. Je suis sur téléphone, je suis sur Galaxy Z Flip 3. Bon, ok, je drop. Bon, on connaît les animations, faut faire plus d'1 300 000 pour drop. On a des armes en or également. Du coup, là, c'est bon, c'est assuré. Ok, là je drop 2 millions. Bah ok, c'est cool, c'est cool. $2 450 000, ok. J'allais être content, vraiment. Bandai, je sais pas quoi dire de Bandai. Concrètement, là... On va y jouer une ou deux semaines. On verra s'ils vont régler tous ces problèmes là suite au problème de. Oh, en plus, je dois pas Zuna. J'ai envie de les trucider. Parmi toutes les unités, j'ai drop l'une des plus nulles. Ben, on se refait pas. J'en drop 2. Ok, c'est cool. Oui, ton petit clin d'œil, on verra. Oui, j'ai quand même... Oui, bien sûr.
Refaire. C'est un multi-reroll, hein. On focus Kirito et Lisbeth. On s'en fout des cartes pour le moment. Les cartes, ça sera plus tard. On skip. Skip, skip, skip. Oh là là, ils ont repris le même système. Ils ont repris le même système. Oh, Kirito, nice. Ils ont repris le même système d'invocation que Dokkan où on est obligé de voir toutes les animations. Toutes les unités drop. Oh là là, le jeu. Bandai. Kirito. Non, ça va pas par la fin, hein. Ah d'accord, ça veut dire que les bugs ne sont pas présents pour tout le monde. Il y a déjà les persos, ok. Oh Lisbeth, on a drop que Lisbeth, ok. Ok. Oh les cartes. Oh. Oh. Je pense que je vais garder ça, hein. Attends, non, on va pas garder ça. Ok. Je pense concrètement que on peut drop mieux. On a 6 minutes, on va encore faire 2-3 essais. Parce qu'on a, on a encore d'autres multi derrière. On va garder tout ça. Ok. On verra sur le long terme. On va y jouer un bon petit mois. Ok, nice. Ah, c'est dommage. Aptitude plus... Ok, aptitude plus carte. Bon, plus personnage. Bon, vous avez compris le concept, hein. Les aptitudes, c'est les cartes. Et les persos qu'on voit... Ok, bon. Les persos qu'on voit en 3D, c'est les persos qu'on drop, hein. Bah, c'est pas le meilleur drop. C'est pas du tout le meilleur drop. Ok. Ok. On va terminer la petite vidéo au calme. Bientôt. Dernière multi. Oh là déjà. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Ils sont bien ensemble, mais c'est pas suffisant. Dernière et après on arrête la vidéo. Dans tous les cas, je serai sûrement en live au moment où la vidéo sera postée. Ok. Ok, on va s'arrêter sur ça. N'oubliez pas que le jeu est dispo sur Play Store et App Store. Ouais, c'est ça, Play Store et App Store. Vous pouvez jouer dès maintenant. C'est le jeu disponible. Je vous dis ciao et à la prochaine. Peace. Pouce bleu. Discord disponible dans la barre de description. Ciao.